Salut tout le monde, c'est Tipsy110, on se retrouve pour cette huitième partie, je crois bien, je suis plus trop sûr. Hein. Ouais, je vais tellement geeker qu'au bout d'un moment, je vais finir par perdre le compte. Donc là, on est dans un moment très captivant, un temps de chargement, c'est cool. Voilà, c'est bon. Donc quelques jours plus tard, ouais. Donc, on va commencer cette vidéo comme toutes les autres, hein. Au revoir, au revoir, au revoir. Et toi, je t'enchaîne. Ouais, il faut bien s'ouvrir l'appétit un peu en début de vidéo, c'est toujours marrant de les enchaîner. Voilà, et toi, tu crèves, et toi aussi, et puis ça s'est réglé. Ah, c'est bon. Mais ils sont toujours en train de se bourrer la gueule dans ce jeu où je rêve. Avez-vous trouvé ? Ce n'était pas le bon endroit. Les autres vous attendent. Messieurs, je vous en prie. Prenez place. Je crains que le temple n'abrite qu'une peinture rupestre. Mais il contient des images et des écrits des précurseurs. Nous approchons du but. Pas suffisamment, on dirait. Nous devons redoubler d'efforts, étendre l'ordre, et établir une base permanente en Amérique. Nous n'avons pas trouvé le site, mais je suis certain que nous y arriverons. Oui. C'est sûr. De plus, je crois qu'il est temps d'accueillir Charles parmi nous. Il a prouvé qu'il était un disciple loyal en nous servant sans faillir depuis le premier jour. Je le crois digne de partager notre savoir et de jouir de tous les avantages que cela comporte. Quelqu'un s'y oppose-t-il ? Très bien. Viens ici, Charles. Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons ? Je le jure. Et de ne jamais divulguer nos secrets ni la véritable nature de nos actes. Je le jure. De nous rester fidèles jusqu'à la mort, quel qu'en soit le prix. Je le jure. Tu fais désormais partie de nous, mon frère. Tous ensemble, nous allons donner naissance à un nouveau monde. Un monde d'ordre et de finalité. Donne-moi ta main. Tu es... un Templier. Quoi ? Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Hein ? Quoi ? Quoi ? Stop ! Mais genre, ce retournement de situation. Vous avez tous vu ça ? Waouh ! Tu l'as dit. La clé doit être l'amulette qu'Etam m'a volée à Londres. On sait à quoi elle ressemble, mais pas où elle se trouve. Tu dois continuer à chercher. Hey, c'est aussi ton ancêtre. Et si tu me remplaçais dans l'Animus ? Vraiment ? Quel sens du devoir ? On dirait un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui ne va pas à Desmond ? Tu veux savoir ce qui va pas ? J'en ai marre qu'on fasse comme si j'existais pas. Desmond fait ci, Desmond fait ça. Desmond, tu dois trouver une solution ou le soleil va tous nous réduire en cendres. Desmond, je sais que j'étais très cool avec toi, mais en fait, je suis qu'une agente des Templiers et j'aimerais qu'une sorcière de l'espace s'empare de ton cerveau pour te forcer à me tuer. Alors voilà mon sens du devoir. J'en ai ma claque d'être un putain de pion. Je pensais que ce serait différent avec toi. Après tout, t'es mon père, mais tu vaux pas mieux que ces pourritures de Templiers. Ne me compare jamais plus à ces chiens. Tu as compris ? Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Peut-être que je t'en ai trop demandé,
que je t'ai poussé trop loin. Mais tu ne peux pas te permettre de perdre de vue ce qui est en jeu. Il va falloir que tu te reprennes, gamin. Bon. Le temps joue contre nous. C'était très cathartique, sans doute. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé et en profiter pour rappeler à tout le monde où on en est. Tout joue contre Merci. Nous. Il semblerait que ce temple soit alimenté par une série de... Appelons ça des batteries. Tu en as trouvé une en entrant, mais je crois qu'il n'y en a plus, du moins, pas ici. Et est-ce que tu sais où on va pouvoir en trouver d'autres ? Pas encore, non. Je vais m'infiltrer dans la base de données d'Abstergo, et si je trouve une référence à ces appareils quelque part, on tiendra une piste. Faites ton mieux. Ok, Évidemment. Mais pourquoi on cherche les batteries ? Et toi, Desmond ? Tu peux explorer les lieux ou retourner dans la Nimbus. Eh bien, on va faire une petite partie d'exploration, hein. Appuie sur n'importe quelle touche. Non ! Merde ! Merde ! C'est bon. On est reparti. On donne les arrowheads dans you. Oh, il a Tone wara nagara de. Desajera ne rotniha. Nexi yate huayatana kera. Azekante tajajera oni. Nexi ya otena digari wastakwe. Agungwe da sun a wahuan nordunkwe zi niot ne sagodea ogunga. Zewajera sriat dizaks ne hetham. Raganerun kwakwe unte zi nitogwenyo. Nexi ohondo yoha witun yate haganerakwe. Zinuwe rao jokwa templar agwego tadinyaro darhoks. Ne aon haat ke tsaanis. Zigat ke sun ariyan a higunsa gandanu agat gato zine saga raskaneks. Kanata, c'est ton en 1764, j'ai cru voir. Le truc imprononçable, là. C'est one day star. On y s'agirait, ha? Y'a Otena, Gwanek, Gwanek. Le Dunagate? Non, je vais reprendre les sous-titres. Excusez-moi, j'aurais dû lire. Dans le temps de chargement, ça disait que... En fait... excusez-moi, j'ai pas lu. Ça disait que l'enfant avait grandi en elle, etc. Qu'elle avait peur que la soif... qu'elle avait peur de retrouver le même regard que le mec qui lui a fait l'enfant, c'est-à-dire nous, avant, dans le regard de son fils, sur le temple, le regard des Templiers. Donc là, la mère lui demande ce qu'il est en train de faire et lui il répond rien. Et là, viens jouer avec nous, les autres sont partis chasser et on s'ennuie. D'accord, mais ne t'aventure pas hors de la vallée. Ne marchez pas dans la boue, il a fallu déjeuner pour nettoyer ses vêtements. Tiens, on dirait ma mère. De vraies bêtes sauvages. Bon, je pense qu'on va faire cette mission et ensuite je vais vous un peu visiter la grotte dans laquelle je me suis un peu loupé. Ben, ça sera en fin de vidéo hein, pour le décor. Et de retour avant le coucher du soleil. Oui, mère. Attention, désolé, blablabla. J'ai remarqué, on a beau retourner à la maison, aller à la maison. Ok. Attention les enfants, ne sortez pas de la vallée. Putain, on croira entendre mes parents. On devrait peut-être rentrer. Il paraît que les loups sont aussi gros que les ours par ici.
Et qu'il y a des hommes étranges avec une main qui crache le feu. Ces hommes vivent dans des villages de pierre. Remplis leur... Putain, mais ils m'ont pas laissé lire. Bon, tant pis. À quoi on va jouer? À cache-cache? Vas-y, c'est... La courte paille. Ah, fuck that. C'est toi qui cherches. Aska Degani en Sangayeri. 1, 2, 3, 4, etc. Aska Dewat Nyawe. 100. Vous avez vu la longueur du truc Aska Smash No Way. Ouais, mais bon, pour dire 100, il met un peu beaucoup de temps. Oh putain, sans faire d'erreur. Bon, je crois que la synchronisation totale, je vais la foirer, mais d'une manière magistrale. Je me demande ce qui se passerait si on rentrait, tu crois, il resterait caché longtemps. J'ai un cerveau, je m'en sers. Ah, il a dit comment as-tu deviné? Et moi j'ai répondu j'ai un cerveau, je me cherche. Je m'en sers. Je réponds souvent à beaucoup de personnes d'ailleurs. Enfin, ça reste à vérifier. On ira à la pêche après. Ah bon, c'est pas. Il est passé où le dernier? Il peut être que là! Explique-moi, what the fuck là! Oh, et si on criait pour faire croire qu'il y avait un ours? C'est trop fort à ce jeu. Je sais où je vais me cacher la prochaine fois. Allez, on y rejoue. Oh, je sens que ça va encore tomber sur moi. Ah non, non. Ça va prendre à me cacher. À ton tour. 1, 2, 3, 4, blablabla. Ah, il est en train de compter, hein. Bon, ça, je suppose que vous l'avez dit. Bon, je vais me mettre le plus loin possible de lui. Ah, tiens. Mais qu'avons-nous là?
Tu me sembles familier. Où ai-je bien pu te voir ? Ce n'est pas très gentil. Lâche-moi ! Écoutez-moi ça ! Parle notre langue ! Ça va ? Il y a du cran ! Nous avons des questions à poser à tes anciens. Dis-nous où est ton village, petit, et tu pourras partir. Mieux vaut lui obéir, petit. Je pourrais te briser le cou, tu sais. Il me suffit d'appuyer un peu. Et crac ! Je souffle la misérable petite flamme qui t'anime. Tu n'es rien. Un grain de poussière. Toi et toute ton espèce. Vous vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourne le monde. Les moins ignorants savent reconnaître l'avenir. Ils se jettent à nos pieds pour implorer grâce. Mais pas toi, semble-t-il. Non. Tu t'accroches misérablement à tes traditions. Trop stupide pour comprendre ton erreur. Mais je sais me montrer clément. Alors je vais t'épargner. Afin que tu portes ces mots à ton peuple. Plus vite ils nous donneront ce que nous sommes venus chercher, plus vite vous retrouverez votre pitoyable et vaine existence. Un marché équitable, n'est-ce pas ? Quel est ton nom ? Charles Lee. Pourquoi veux-tu savoir ? Pour te retrouver. Et te tuer. J'en meurs d'impatience. Tu ferais mieux pas de dire ça. Enfoiré de Templier. Moi je rentre en mode bourré. Ah non, c'est bon. T'es intérêt de me donner un message à porter si c'est pour faire enflammer mon village, espèce de... Fuck la logique. Ouais, tu vas porter un message à tes ancêtres. Mais d'abord, on va mettre le feu. Pourquoi ? Y'a pas de sous-titres, hein, tu peux vous traduire ce qu'il dit. Hein. Non, tu ne peux pas passer en dessous comme un être normal, je sais pas. Enfin, je sais pas, tu glisses en dessous et après tu décides à soulever. Okay. Bon, je me ferme, hein, je te gâche tout le coup. Et en version française, ça donne quoi ? Alors apparemment, il y a qu'une seule option, c'est... Ouais, je me suis... Au pire, on va se suicider pour ensuite voir. Pour avoir la traduction, en fait, j'ai fait ça. Ah, putain.
Je pense que je vais vous couper le passage là où, je vais refaire la marche à pied. Faudra que j'ai mal dans le titre. Ouais, parce qu'en fait, pour me repérer dans mes vidéos, quand je fais des petites pauses, je le marque dans le titre. Comme ça, ça m'évite de laisser des pauses. Parce qu'avant, ben, j'oublie de le faire. Et donc, du coup, il y avait parfois des pauses. Mais envoie-moi les sous-titres, je comprends rien à ce que tu racontes. Moi, je comprends à peine le français et l'anglais. Moi, tu veux que je comprenne l'indien. C'est bloqué, trouver un autre accès. Je me suis suicidé pour un jeu de tout ça. Je prends la gâchette B. Mon fils, tu dois quitter cet endroit tout de suite. Passons toi. Il est trop tard pour moi, putain de. Tu dois être fort, racoleuse. Ouais, tu dois être courageux. Tais-toi, arrête. Je te croirai. Je te croirai seul, je serai toujours à tes côtés. Jamais je ne te quitterai. Non, arrête, lâche-moi, putain. Merde. Bon, je crois qu'avec ce début, ça me donne des envies de dépression. Adieu. Ah, c'est trop triste. Et mon frère, 9 ans plus tard, il est en retard. Désolé. Tu es prêt? Non, parce que moi, avant, j'avais fait une promesse. Quitter l'animus. Confirmé. Ah, c'est de là où je viens, ouais. Je me demande quel matériau c'est, ça. Sur quoi tu bosses? Sur des tas de trucs différents. Je dois trouver un moyen de te suivre et de rester en contact quand t'es sur le terrain. Je peux pas me contenter de pirater les systèmes locaux. Oui. Je passais juste pour te dire bonjour. Tu as des choses plus importantes à faire en ce moment. Sérieux, papa? Connard. Quoi? Que veux-tu que je te dise? Je sais pas, moi. Salut, fils. Tu vas bien? Tu fais quoi ces derniers temps? Je sais très bien ce que tu as fait. Rien. Tu t'es planqué dans un appartement merdique à faire un boulot débile, pendant que nous étions tous en train de nous battre. T'es vraiment un pauvre type. Ah ouais? T'as envie de m'en remettre une? Je te préviens. Cette fois, je vais te la rendre. Remettons-nous au travail, d'accord? Oh, qu'il est génial, ce père! Oh. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? À mon humble avis, c'est un compte à rebours. Et en jugé par l'iconographie, je crois que quand ceci sera vide,
ce sera le début de la fin. Génial. Oh, salut Desmond, ça va ? La routine. À chaque journée, un nouvel ancêtre. Jump ! Maintenant, on passe à la phase d'exploration. Et c'est là qu'on passe au background de Assassin's Creed. Lorsque nous pensions encore nous sauver, nous avons cherché à contenir la colère du soleil. Quatre tours furent bâties, afin de concentrer sa fureur et de la dissiper. Et malgré tout notre savoir, tous nos moyens, le temps nous manquait. Nous aurions pu œuvrer pendant 1000 ans sans rien accomplir. La première tour ne fut jamais achevée, et le projet fut abandonné, oublié. Mais alors que nous étudions d'autres pistes, certains revinrent ici, pour automatiser le processus, substituant le métal à la chair. Je sais pas pourquoi, mais les bâtiments ici, quand ils ont des sortes de petites rainures bleues, ça me fait penser à l'architecture Forerunner de Halo. De Halo en général, c'est. Puis si vous, ça vous fait le même effet, je sais pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Bon, alors il y a rien en bas. Maintenant, comment on remonte ? Et puis ils ont tout prévu. Hop. Ah, c'est cool, il y a rien ici. Bon, tant pis. Première partie, explorer. Et on voit à droite maintenant. Bon, bah, y a rien. Ah ? En bas, y a peut-être des. Merde. Ah non, ouf, j'ai cru que je m'étais bloqué en bas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Oh, salut Desmond, ça va ? La routine. À chaque journée, un... Bon. Bien. On a fait le tour des vieux. Reprenons les choses sérieuses maintenant. Eh bien, c'est sur ce que... on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde!